Bonjour à tous, et Servus, salut, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6, si je ne m'abuse, de notre let's play consacré à Cube World. Et comme vous voyez, je suis avec mon Frogman, mon Ranger, level 48. Et ben on va commencer tout de suite avec un petit boss. Alors rien de bien important, mais histoire de se mettre en jambe, on va nettoyer un peu le terrain autour. Alors effectivement, le Ranger, avec le Ranger, ça va beaucoup mieux. Que je hais les splitters. Ben en avant. Hein. Hop. Tiens, prends ça. On va virer les splitters tout de suite. Ils sont pénibles ces corps à corps là. Ah, oh, je me trompe de touche, ce qui n'arrange rien. Oui, il y en a encore un qui vient m'emmerder ici. Excusez-moi, je me concentre. Zoup, zoup, zoup. Youp, on va se remettre au fond de l'eau parce que j'aime pas être là, en surface. Puis c'est pas avec ce que mon pet me soigne que... Bon, il tape pas super fort. Bon, il y a une grosse attaque. Hein. On va lui massacrer la tronche le temps. On va s'éloigner, une petite popo. Le problème c'est qu'avec tous les packs qui est autour, j'ai pas la mobilité que je voudrais avoir. Oh, ben ça, j'ai pas réussi à l'éviter. Une petite popo. Il m'en reste plus que 4. Bon, j'en ai d'autres, hein, de popo, mais... Le menu est pas suffisamment bien optimisé pour que... Ah bah c'est vrai que pendant les boss, je m'en excuse, je parle pas beaucoup. Enfin pendant les boss. Pendant les gros mobs, je ne parle pas beaucoup. Parce que j'essaye d'éviter de faire des conneries. Et Dieu sait que ma spécialité, c'est des conneries. Vous voyez que je fais quand même pas mal de dégâts. Hein.
peut-être prendre une popo, histoire d'éviter les surprises. Ouais, j'aimerais bien que mon pet survive, il prendrait l'XP. Allez, ouais. Et une quête réussie, une. Alors un cube Fire Spirit 70. On prend, et c'est tout. Et j'ai pris 35 pièces de platine. Ce qui ne me sert à rien, j'ai pris un niveau, et mon pet aussi. Bah écoutez, voilà, premier boss. On va se laisser là pour le moment, et on se retrouve après une courte ellipse, autant que je vous trouve quelque chose d'intéressant. A tout de suite. Voilà, on se retrouve devant le customization bench. On va essayer de... Alors, j'avais déjà rajouté un cube Fire Spirit plus 66. Si je veux rajouter des cubes de bois, c'est juste pour vous montrer. Alors, vous voyez que l'arc fait en dommage 62,6, 39,1, 9,8 de critique. Si je rajoute des cubes de bois... Vous voyez qu'il est passé à 62,7, 39,2. Donc il augmente un petit peu en dégâts. Donc on va s'amuser, on va poser tous les cubes. Alors ça transparaît également quand vous portez l'arc, donc faites pas trop n'importe quoi non plus. Malheureusement j'ai qu'un cube fire, mais j'aimerais bien en avoir plusieurs. Oh. Vous avez la possibilité de faire 32 modifications. Là vous voyez en bas, ici j'en ai déjà fait 18. Donc, il me reste un petit peu de marge. Bon, sachant que je sais que je vais changer d'arc dans pas très longtemps. Voilà, donc je suis passé à 64,1 HP 40 et toujours à 9,8 en critique. Donc j'ai augmenté les caractéristiques de mon arc en rajoutant des cubes de bois. Les cubes Fire Spirit, vous voyez ici j'ai un plus 5, je peux pas le poser. J'ai un plus 70, je peux pas le poser. C'est un peu, à mon sens, mal foutu. C'est-à-dire que là, j'ai pu en poser un, déjà, je peux plus l'enlever. Ce que je trouve un peu déplorable. Par contre, de mémoire, le cube de bois, lui, je peux l'enlever. Bah non, je peux plus l'enlever. Bon, bah, on peut plus les enlever. Donc, vous voyez qu'on peut améliorer ses armes. Donc, en termes de dégâts, ça devrait se sentir assez rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, je vais retirer le zoom déjà. Donc le customization bench, vous le trouverez au forgeron, en fait, dans le crafting district. Mais voilà, du coup, j'avais oublié ce que je voulais faire. Ce qu'on va faire maintenant, alors là-bas, c'est rouge, donc on va pas y aller. Les autres, je les ai déjà fait. Donc on va essayer de trouver au loin. Ah, là-bas, tout au bout, il y en a un. Donc là-bas, tout au bout, il y a une mission. Ben, on va essayer d'y aller. C'est parti. Ce qu'on va faire aussi, c'est que je vais changer de pet. Je vais en prendre un qui soit montable. Je me suis battu, tiens, pour l'avoir, lui. On va l'installer. Et hop, c'est parti sur le chameau. Donc je vais aller jusque là-bas au bout. Et je vous retrouve dès que c'est fait. A tout de suite. Nous revoici. On se retrouve un petit peu plus loin. On n'est pas encore arrivé. Regardez sur la map. On est parti donc du village qui est là-bas. Moi, je viens de m'arrêter ici. Mon objectif est là-bas. Je viens de trouver une vallée. Et si vous regardez là en bas, il y a un petit boss. Donc, on va aller se le faire. Parce que l'objectif est bien entendu d'XP. Ce que je vais prendre comme pet, je vais prendre ma tortue. Where is my turtle? Ou je vais peut-être prendre le monkey, tiens. Voilà, puisque j'ai pris un petit singe, il est déjà level 38. Donc les mobs sont en plus 1, blanc, donc ça devrait pas poser de problème absolu. Ça pose pas de problème absolu, on va attendre qu'il s'éloigne un peu du reste. Voilà.
Voilà. Faut que je prenne l'habitude de causer un peu plus en jouant. J'avoue que j'ai un peu de mal, là, il y a dommage. Voilà, ils sont morts. On va nettoyer un peu la surface. Hein. Bon, sachez que ça repop, alors faut pas trop nettoyer non plus. Oh, belle esquive. Voilà, on nettoie. Celui-ci, on va pas le laisser là. Il va nous enquiquiner. Alors, c'est un guerrier, apparemment. GG, pas moi, level up, je viens de passer level 50. Donc on va faire X et on va rajouter. C'est moi. On va rajouter 2 points ici. Et on va rajouter 2 points là. C'est appris pour le X. Donc en puissance maintenant je suis à 72, ce qui ne me permet pas d'utiliser ni ceci qui est 76 ni cela qui est 79. Bon, j'ai rien looté de plus intéressant. Donc ma première priorité, déjà je vais changer de popo parce que j'en aurai pas assez pour tout le combat. Voilà, là j'en ai 50, je suis sûr de pas avoir de problème. Enfin, pas avoir de problème, je vais essayer de pas avoir de problème. Et c'est parti pour le combat. J'ai réussi à pas aggro les deux petits à côté, ce qui me fait plutôt... Ah bah si, j'ai réussi à aggro les deux petits. Lui, il est mort. Moi je vais prendre une petite popo. J'esquive. Alors le problème c'est les corps à corps, hein, je crois. Oh là, il m'a esquivé. Ah, il m'a tué. Alors là c'est entièrement de ma faute parce que j'ai absolument rien esquivé. Donc je ressuscite. C'est juste en face de moi normalement et on recommence. Bon, le monkey il s'est fait tuer lamentablement, il va revenir. Voilà. Je vais vraiment tous les tuer, comme ça je serai complètement à l'aise. Oh là. Alors les witch, c'est une horreur. Hein. On va éliminer le maximum de mobs. Excusez-moi, je parle pas beaucoup, hein, mais... J'essaye en fait le stun en boucle, enfin... Vous voyez, quand il y a des petites étoiles au-dessus de sa tête, il est impossible de le stun pour moi. Là, il a plus... Ah, là, il a bloqué. Merci à mon pote qui a réussi à le stun. Là, j'ai évité son attaque. J'ai réussi à le stun. Oh, merci à mon pet. Voilà, il m'a refait l'attaque ultime là. J'ai pas réussi à l'esquiver. c'est pas très drôle, mais bon. C'est juste en face.
J'essaie de reculer la caméra, mais il n'y a pas moyen là. Je sais pas pourquoi il ne veut pas. Bon, là, j'ai bien nettoyé, il est tout seul. Donc, faut que je sois un peu meilleur. Hein. J'apprenne à anticiper un peu plus. Je vais pas vous dire que je suis un rockstar de la mortiture. Là, il faut que j'esquive. Bah, ils vont me le faire longtemps, ça. Là, il est stun. Il est stun. Ah, j'ai loupé mon stun. Ah bah quand même. Il est stun. On va se prendre une petite popo. Oh, j'ai loupé. Oh là. Bon, je vais réussir à le stun, oui. Oui. Petite popo. Donc là je peux pas le stun, il faut que je me bats. Voilà, j'ai réussi à m'évader. Petite popo. Voilà, j'ai réussi à le stun. Ah, c'est sportif, hein. Là, je peux pas le stun. Voilà. Là, je peux pas le stun. Il a tué mon pet. Ouais, c'est bon. J'essaye de reculer la caméra, mais ça marche pas. C'est un... Oh là. Bonjour l'angle de caméra, c'est n'importe quoi. J'ai réussi à esquiver. Bon, vous devez quand même voir le combat là. Vous pouvez pas mieux le voir que là. À le bumper avant son attaque. Une petite popo. Là, c'est à moi d'esquiver, c'est bon. Il est stun. Bon, on a réussi à le descendre à moins de 50%. Comme quoi vous voyez, c'est jamais gagné. Là, il faut que je me barre. J'ai une G par moi. Il est stun. Enfin, je sais bien que c'est un peu silencieux à des moments, mais... Oh là. Là, il faut que j'esquive à tout prix. Petite popo. Je suis full life, c'est bon. Il est stun. Un peu répétitif, hein. Et mon petit monkey pendant ce temps-là, il se bat comme il peut.
la route barre. Voilà, on a activé la tape ultime. Loupé le stun. Oula. J'ai du bol. Comment ça m'enchaîne, hein, c'est bien. J'ai réussi à me barrer. Là, il me bloque, donc on se barre. J'ai esquivé. J'ai pas réussi à le stun? Non. C'est bon. Une petite popo. On esquive. Vous voyez quand même que votre pète vous rend bien service, hein. On esquive. Mon pète, il m'a quand même sauvé la vie une paire de fois là déjà. Bon, on va peut-être réussir à l'avoir cette fois-ci. Oh là, la caméra qui me retape encore un délire. Petite popo. On va essayer de circuler pour voir plus clair. On esquive. On stun. Il n'y a pas moyen de reculer la caméra, je suis désolé, j'aimerais bien. On esquive. Une petite popo. Et on l'a eu. Voilà. Donc j'ai reçu un Iron Dagger, un Agent Boost, enfin des conneries. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Donc des Silver Coins, un Iron Shield plus 51 bleu pour guerrier. On va se regène. Des Silver Coins, un Holy Spirit plus 51 et des Copper Coins. Donc ce qui représente pas énormément, mais... Mais bah, vous voyez, parce que le fait d'avoir l'esquive sur la molette m'a complètement changé ma config de caméra. Mais bon, c'est pas bien grave. Bah écoutez, vu le temps du combat, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un petit peu plus sportif que... Bah, je sais pas pourquoi il me met ça, lui. Je voudrais ma map. J'aime pas trop la vue à la première personne comme ça. Ah, ça y est, on y arrive. Voilà. La vue à la première... Je vais y arriver. Ça, c'est réglé. On va essayer de remettre la map maintenant, si ça ne déconne plus. Alors, je ne sais pas pourquoi ça déconne comme ça. Je vous avoue que je me pose souvent la question. Mais j'en sais fiche trop rien. Souvent j'ai des problèmes à atteindre mon menu quand vous allez voir que je suis parti en plus dans la mauvaise direction. Voilà, on a nettoyé. Donc, est-ce que je vais avoir ma map? Oui. Oh là, c'est n'importe quoi. Donc je suis bien dans la bonne direction. Au prochain épisode, on se retrouvera là-bas au bout. Si j'arrive à retirer ma map, ce serait génial. Je sais pas pourquoi ça délire comme ça. C'est très énervant d'ailleurs. Là, je spam la touche M, mais il ne veut pas. Allô, la Terre. Vive les jeux qui sont encore en bêta. Enfin, en alpha, pardon.
J'arrive pas à revenir sur mon jeu normal. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais me régler mon petit problème de caméra hors caméra. Bah, j'espère vous retrouver très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu, que cette formule est un peu plus. Wow. On va y arriver. Cet épisode, voilà, on y arrive. Cet épisode vous aura plu, je disais. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Donc je disais donc j'espère que la formule de se retrouver. Hop, on va profiter des loots d'un autre. Cette formule de se retrouver avec mon perso un peu plus HL pour avoir des combats un peu plus épiques, dirons-nous, vous plaît. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, ça nous aide beaucoup. À vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je reçois bien tous vos messages sur le fait que vous voulez des lives, mais c'est le temps qui me manque pour faire des lives. Alors si pour vous faire des lives d'un quart d'heure, je vois pas l'intérêt. Donc j'essaye dès que je peux. Aujourd'hui, je viens de retrouver un boulot, donc je suis un petit peu occupé. Puis il faut que je m'occupe aussi un petit peu de madame, et puis il faut que je m'occupe aussi un petit peu de mon fils. Voilà, la vie est ainsi faite. Mais je vous promets que ça me préoccupe et que j'y pense, et que dès que j'en ai la possibilité, je vous ferai un live sur Cube World ou sur un autre jeu, parce que j'ai d'autres idées de jeux à vous faire en live, et que ce sera avec plaisir. Bon voilà, bah, en attendant, merci encore, à très très bientôt sur de nouvelles vidéos, et à LSR vous salue bien bas. Ciao!